D'accord, elle m'a monté encore plus haut. Bravo, bravo, bravo. Et je fais quoi là maintenant? Je me chie dessus. Faut faire gaffe à Ellie parce qu'elle peut se faire buter aussi. D'accord. Ok, donc ça pue encore plus du cul ce soir. On va recharger. Oh putain, il y en a un là-bas. Vite, 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 vite. Forcément, je vise pas les têtes, bien sûr, parce que je suis un gros noobie avec un double joystick dans les doigts. Il y a un claqueur qui arrive pour le plaisir des gens. Meurs, putain de claqueur. Oui, j'ai eu sa tête. Recharge. Tiens le coup, Ellie. Tiens le coup. Je vais plus avoir de balles dans le magnum. Je vais plus en avoir. Et je tire une balle à côté comme une merde. T'as balayé une toi. Et tu utilises 6 balles quoi qu'il se passe. Ouais, ça c'est cool. Parce que alors là. Oh, j'ai eu une tête. Ah, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai eu une tête quoi. Oh, ce passage intensif, sans déconner quoi. Il y a encore des amateurs? Attends, il y en a un là-bas. Ah, ça y est. Ah, ça y est, je tombe. Alors là, ça va être marrant. Parce que alors maintenant, il va falloir que je me tape au corps à corps. Je suis désolé, les gens. Du coup, je n'ai pas du tout vu vos messages. Mais alors, pas du tout. Oh, lui, mon sauveur, quoi. Non, t'es modo, t'as pas le droit. Def, t'es comme moi. Tu peux pas passer. Non, 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 mais non. J'essaye de viser et du coup je me fais fumer. Putain. Attendez, il faut que j'allume ma clope. Alors, franchement, je sais où tu le briquet. Voilà, c'est parfait. Bon, vous avez écrit quoi comme belle bêtise là du coup Si tu as envie de vomir grâce à gage, tape 1. Si tu non, veux remonte, mourir, remonte plus haut. Car tu souffles trop, tape 2. Si tu veux arrêter la drogue, tape 3. Mais t'as un joli petit cul, mon coquin. Mais bien sûr, j'ai un joli petit cul. Hein. Qu'est-ce que tu crois, Eo? Et ouais, 4 mois et demi que je suis bien assis dessus sur mon canapé. Forcément, j'ai un joli petit cul. Je l'entretiens, moi. Je fais pas semblant. Ah ben, moi, comment c'est pas mal. Tiens, dans la tête, saloperie. Bon, par contre, il m'a dit fais demi-tour. Alors, je vais faire demi-tour. Oh putain, j'ai plus de barre, j'ai plus de rien du tout. Secours! Il y a Moxie, il y a Dev qui dit Moxie, tu te calmes, on n'est pas sur le Moxie Show. Et si je prenais une petite. Eh ben, pour la peine, on aura pas de Moxie Show ce soir, je vous emmerde. Ah bah, bravo, les gars. Ah bah bravo, je te fais une barbe. Allez, non, 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 putain, mais non, quoi, mais non, bordel, la cul de la pompe à merde. Ah bah, je te fais une barbe. Tiens, voilà, affaire réglée, parce que lui, c'est bon, il m'a saoulé, merci, mais ça ira. Et l'autre, il marche tranquille comme ça, avec son gun en l'air, quoi, voilà, hein, pas pépère. Ah, comme à la maison. Ouais. Ah, Death, c'est pas qu'il a pensé, hein. Allez. Putain, alors l'autre, il me parle en anglais, bien sûr, je lis pas ce qu'il m'écrit. Tu donc, t'en sors, donc, je m'en oui. sors pas, du coup. Putain. Il faudrait, faudrait un quart d'alcool de plus. Ses virons et son match. Ah oui, oh, carrément. Ah oui, des balles de magnum. Oui.
Ça, je dis oui, ça. J'avais réussi à battre le mage là, mais qu'il y avait deux autres qui cherchaient la planter, donc ça s'est arrêté pas là. Désolé, j'entends pas tout avec le son du jeu. Si je me souviens bien, il y a un peu... Le son du jeu, le son de mon jeu, Def. Tu as... Alors attends, je vais le diminuer un peu si tu veux. Audio, volume... Putain, mon disque dur, il clignote comme un sapin de Noël, il me fait mal aux yeux, machin. Voilà. Moi, je suis bloqué au solitaire, ça m'énerve. J'espère que tu m'entendras mieux. Ah, oh, mais cruel. Désolé, plus de batterie. C'est pour ça que vous entendiez en double. C'était la caméra qui avait pris le relais. Ah, voilà une petite batte de baseball. Non, non, mais non, je prenais une batte de baseball peinard. Oh, mais non, quoi, mais non, putain. Comment ça, c'est du différent? Ah, de tout à l'heure. Brûle. Oh, joli coup de genou, quoi. Magnifique coup de genou. Ça, c'était beau, c'était propre. C'était parfait. C'était le coup de genou, quoi. Donc, de l'alcool, de ci, du mi, de là. Je peux toujours rien craft. Ah, putain, ouais, il fait ouais, chier, j'ai pas d'alcool. Il est pas mal. Ça remplace l'OI, puis je trouve mieux que LOL. Donc alors attends, parce que là je prends la batte de baseball, mais je vais avoir le connard qui va m'arriver dessus comme une merde. Allez monte Ellie, putain, mais sors-toi les doigts du cul quoi, n'attends pas qu'ils arrivent les claqueurs. Allez barre-toi. Ah ça y est, c'est la fin de la séquence. Mais ça va, j'aurais un peu fail quand même, sans déconner, hein. Oh, cet enragement de merde. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde et est-ce que je lâche un petit cadeau comme ça pour le plaisir? Salut, Dan9S. Alors, je sais pas trop comment prononcer ton pseudo. Bienvenue à toi sur le live du fail, hein, sur The Last of Fail. Voilà. Allez, vas-y, Lee, vas-y, déchaîne-toi. You done? Am I done? You come into my house, you set off all my traps. You damn near. Ah mais t'inquiète, Def, Until Dawn, je l'ai platine, ça fait, je l'ai platine à sa sortie, quoi. T'inquiète, je me suis régalé sur Until Dawn, super beau jeu. Beurré de QTE, comme je les aime, peut-être pas assez de QTE quand même. Hein. Ça, c'est vraiment le plaisir. Salut Kazener et bienvenue à toi sur The Last of Pale. La version à moi de faire The Last of Us. Ah oui, non, Until Dawn, un magnifique petit jeu quoi. Salut Kazener. Merci Def. Je peux avoir une machette moi aussi, s'il vous plaît. Il l'a pressé celle-là. Droog a l'esprit. Oui, Droog a beaucoup beaucoup d'esprit. Dis-moi, Kazener, est-ce que tu connais ce jeu? Est-ce que tu l'as déjà fait? Qu'est-ce que tu penses de The Last of Us? Dis-nous tout, ça m'intéresse. Donc on va aller là, tu vois sur la carte là, le petit carré rouge là, il est bien. Okay, à toutes, Def. Ouais, ouais. Ça marche, Def, à toutes. Pourquoi tu dis non, Ninja? Ah, j'aime bien la répartie d'Eli, tu vois. Ouh, t'as commencé à avoir du monde, ton film. Collez-moi le cul, ben c'est clair, on peut pas le louper. Alors, ça. Personne quasiment. Ah ouais? Mais tu l'as eu sur quoi? Ah, mais t'étais sur RE.
Ouais, j'étais sur Argenteville là avec Ader. J'ai eu jusqu'à 8-9 personnes, je crois. Mais ils arrivaient, ils repartaient aussitôt. Cocktail, vie, cocktail, la vie. La vie, parce que je vais forcément devoir en bouffer une de vie. Hop, je prends la carte. Alors, la carte, elle me dit quoi de beau? Une carte de la ville de Bill, magnifique. La batte de baseball, Casino le Internet. tuyau, la batte de baseball, le tuyau a l'air beaucoup mieux. Donc, je vais prendre le Casino, tuyau, t'as plus de répondu. Hein. résistance. Oui, pardon, Kazner, excuse-moi. Oui, je l'ai déjà fait et pour moi ce jeu est excellent. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi, ce jeu est totalement magique. Attends, c'est bien que je vais utiliser de la vie, que forcément il va y en avoir. Donc je vais pas l'utiliser Bonne de nuit, suite. Ninja. À la prochaine. Bonne nuit ninja, à la prochaine. Des bisous. Insuré, d'office insuré. Tu feras gaffe à ta vie si tu la trouves bientôt à la fin. Ouais, t'inquiète, j'essaye de voir s'il y a pas de la bouffe où je suis pour la vie avant de claquer Oui, t'as raison. ma petite boboîte. Oh, mais oui, Ton on passe kit à de 10, soins. c'est cool, ça fait plaisir. Hein. Oui, mon kit de soins, voilà, exactement. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi de bien de plus ici? Un truc en or. C'est quoi ça? Le manuel du surin volume 1, longévité accrue des lames. Oh, c'est bien ça! Aiguiser une lame réduit la force nécessaire pour couper ou perforer et augmente par conséquent la durée de vie de la lame. Oh, bien, ça c'est bien C'est pour du clair, craft. c'est clair, Ninja. Merci Ninja, ouais, je ferai tout pour qu'elle soit avec moi, je te rassure, copain. Je vais peut-être attendre la séquence d'après pour mon up de la vie, peut-être que j'en trouverai un peu plus loin. À chaque fois que j'utilise un kit de soins, je me retrouve baisé parce que j'ai de la vie juste après. Merci pour ton follow, Kesner, ça fait plaisir. Et n'hésite pas à repasser parce que je le liverai dans son intégralité, ce petit jeu. 94, ouais. Oui. On sent bien bien, on t'approche des 100. Ah ouais, punaise. Et alors, on m'a dit qu'il y avait un rituel sur Twitch, c'est que à 100 follow, il faut faire une vidéo de 24 heures. Mon seul problème, c'est que j'ai déjà fait la vidéo de 24 heures. Alors, est-ce qu'il va falloir que je fasse une vidéo de 48 heures pour fêter ça? Je suis pas contre, hein. Franchement, je suis pas Non. contre. J'ai bien envie de tester le défi 48 heures puisque j'ai réussi à faire les 24 heures. C'était un peu chaud, mais c'est passé à peu près. Par contre, je sais pas si j'ai assez de jeux pour live 48 heures, quoi. Parce que la store d'heure est assez court. Je sais pas. Et puis, ah, quoi que si, après j'ai Primal quand même. Mais bon, c'est pareil, Primal, je sais pas si ça me fera la tenue pour un 48 heures, quoi. Putain, tu lis. Je pense que si tu fais tout à 100%, si. Quantum Break, ouais, mais Après, c'est quand Quantum même réputé Break pour pour l'instant il être est sur Xbox. assez grand. Oui, non, mais bon, après sur ce genre de live en longueur, j'aime pas refaire le jeu, tu vois, j'aime bien passer à un autre jeu derrière. Parce que bon, affubler 48 heures d'un même jeu, enfin de revenir toujours sur les mêmes passages, tu vois ce que je veux dire, ça peut être relou pour les gens qui regardent. Ouais. En même temps, Donc si je toi sais tu veux pas. faire un 48 heures. Ouais, enfin, un truc qui est sûr, c'est que le 48 heures, si je le fais pas avant, je le tente sur Final Fantasy VII remasterisé quand il sort. Ça, c'est certain, je l'ai dit, je m'y tiendrai, même si je m'endors comme une grosse merde, comme hier par exemple, je m'y tiendrai. Franchement, je m'y Salut. tiendrai. Et du coup, tu m'as vu flipper ma race au moins Eh ou je ben, faisais du pour rien? coup, eh ben, du coup, non, je sais pas. Écoute, au moment où tu as dit, je t'ai dit, écoute, je coupe le, je m'enlève l'oreillette. Je me rappelle que j'ai dit ça, que je m'enlevais Ouais. l'oreillette pour t'avoir en temps plein. Seulement, j'avais mal à Ouais. la cheville, donc j'étais en position latérale de sécurité côté droit, avec le pied collé contre le rebord du canapé vers le bas. Et je me suis réveillé. Je me suis réveillé, la télé était éteinte, la console était éteinte. Donc, je sais pas en fait.
Je me suis levé, c'était 5h30, je crois, quelque chose comme ça. Eh ben, je vais te dire quelque chose qui va te faire plaisir.